Loisirs, chasse et pêche vous est présenté par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Ok, ça a l'air à vouloir se stabiliser. J'ai un bon mirage, par exemple. Je vois flou. Oh, great, je le prends. C'est des caribous, mon chum. Oui, monsieur. Yes, mon monsieur. Pierre-Luc, c'est beau en tabarouette, ça. Incroyable, mon chum. Et il y en a un gros. Et il y en a encore un plus gros. Et là, ça apparaît. La roche a comme vibré. Ça a fait... Oh, ça nous le prend. Mon cœur aussi a vibré. Bienvenue à Loisirs chasse et pêche. Une très belle soirée en perspective alors qu'on vous amène dans le Grand Nord, les pieds dans Toundra. Leaf River Lodge, le troupeau de caribous de la rivière aux feuilles pour une chasse aux caribous d'automne avec la gang d'aventure chasse et pêche. Ça, c'est à ne pas manquer. L'autre chose qui est à pas manquer, Benoît Letarte qui vient nous visiter en studio. Question de nous parler du bon choix de cartouches pour la chasse. Stéphane Monette, tome 2 de son livre de recettes. Très appétissant, soyez des nôtres. Et moi, je vous présente les résultats de tests terrain qu'on a fait avec les équipements Vortex. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente deux nouvelles qui ont attiré fortement mon attention. La première, chevreuil nuisible dans la baie des Chaleurs, on cherche des solutions. Là, on est quelques chasseurs à s'être parlé, puis on aurait peut-être, nous autres, une couple de solutions. Et sans rire, le ministère va revisiter, évidemment, bientôt son plan de gestion du cerf de Virginie. Le plan actuel, si je ne me trompe pas, termine en 2018. Et parle peut-être de porter attention à ces différents secteurs-là dans lesquels il y a des problématiques qui leur sont propres et apporter des solutions. Donc, peut-être délimiter des zones dans le plan de gestion pour permettre plus de choses, plus de collecte ou une plus grande saison ou allonger le sang bois ou peu importe pour baisser le cheptel. Tel qui est problématique au niveau des cultivateurs et au niveau de la sécurité routière, par exemple, dans des secteurs comme celui-là. On parle de la baie des Chaleurs. Jean de la baie des Chaleurs, les chasseurs, nous, on est derrière vous. Si le gouvernement prend des décisions en ce sens, on va aller vous donner un coup de main. Donnez-nous un chevreuil dans le reste du Québec, puis un chevreuil à baie des Chaleurs, puis c'est une suggestion, juste comme ça. Prochaine nouvelle, un peu plus triste, par exemple, on en a-tu parlé? Une histoire de chasse tourne mal dans Charlevoix. Là, vous voyez ce qui s'en vient, il y en a qui l'ont vu. Un chasseur de Charlevoix fait face à plusieurs accusations après avoir fait feu en direction de chasseurs d'un territoire voisin en septembre dernier. Ben voyons donc. On va le nommer, non? Gaston Dubois a comparu une première fois, va évidemment se représenter, donc une autre comparution qui va avoir lieu pour le reste des accusations, pour la mise en accusation proprement dit. J'ose espérer qu'on va faire une sentence exemplaire dans ce cas-là. Ça n'a même pas de bon sens, là. On est en 2017, faire feu en direction d'un autre être humain pour des considérations de chasse. Les gars, c'est une game. Territoire public, c'est à tout le monde. Territoire privé, sachez vivre un peu, parlez-vous. C'est même pas une option que de tirer, même pas un coup de salvation en l'air. Ça ne se fait pas, c'est criminel. Malheureusement, je souhaite à notre M. Dubois une sentence exemplaire qui va peut-être dissuader des futurs attentats qui pourraient être faits comme ça de faire peur à des chasseurs en tirant vers eux autres. Voyons donc si ça se fait. Vous savez que ça allait arriver. Si on ne met pas nos pieds dans le dossier et on ne règle pas ça, ça va réarriver. Faites attention à ça. Sécurité. On se quitte le temps d'une pause. Après la pause, l'excellent Benoît Letarte qui est avec nous autres pour une question de parler. Deux choix de munitions, les cartouches pour la chasse. Benoît Letarte, mon sauvaginier, comment ça va, toi? Ça va très bien, Martin. Comment toi, ça va? Ça va super bien. Écoute, tu viens nous démêler les cartouches de chasse, puis je pense que ça va faire du bien de faire un ménage là-dedans, parce que quand je me pointe devant un étalage, puis je vois ce genre de paquet de chiffres-là, là, il y en a plusieurs qui se posent des questions, surtout s'il n'y a pas de commis. Bien, on va y aller simple. Il y a des chiffres là-dessus, ils nous parlent. Oui. Donc, si on suit certaines indications, on ne peut pas se tromper. OK. Premier chiffre, 12. Oui. Notre calibre, ça aurait pu être marqué 20, 410, 28, 16. C'est peu anodin, là, parce que si tu te trompes, tu vas avoir des problèmes. Oui, ça, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas se mélanger sur ce chiffre-là. Ensuite, on a 3 pouces.
3 oui. pouces, longueur de notre balle. Longueur de notre balle, très important, une fois tiré. Si vous mesurez ça à la maison, ça se peut que vous arrivez à 2 pouces, 3 quarts, même si c'est marqué 3 c'est pouces. C'est quand le plastique est déployé, que la gerbe de plomb est sortie, là, elle va faire totaliser 3 pouces. Absolument. De là, qui est très important de vérifier si notre arme est chambrée en 2, 3 quarts, 3 pouces ou 3 pouces et demi. Car on se munition... réfère sur le côté du canon, c'est important. Oui, très important, parce qu'une munition de 3 pouces, pas tirée, va se chambrer dans, une 2 pouces, dans un fusil de 2 pouces 3 quarts. Et voilà. Et là, peut arriver des accidents. Très important. On vérifie ça à chaque fois, avant de partir, qu'on a la bonne munition. 1550, vélocité oui. en pieds secondes. On s'entend, la norme est américaine, on marche en pieds secondes. Oui. 1550 pieds secondes, très important pour tout le monde de savoir. Tout ce qui est système d'étranglement, tous les bons vieux choses qui sont plus performants, tout ce qui est un peu mis sur le marché, en dehors que ce que la compagnie nous fournit avec le fusil, oui. Pattern, Kix, Carlson, ne prendront pas de munitions qui vont à plus de 1550 pieds secondes. Okay. Pour une question de pression, on s'entend, on triche un peu, on travaille pour aller chercher des groupings plus serrés, et là, à ce moment-là, si on prend des pressions plus hautes, peut arriver des accidents, ou encore, comme bien dans le cas que je t'ai emmené ici, très on est bon obligé exemple, de couper là. Puisque le choke a littéralement collé à l'intérieur. Bien, ça, écoute, ça devient un uni-choke. Oui, tu ne peux plus changer ton choke après. Bille d'acier ici qui a été tiré dans un full choke. Oui, absolument. Le full choke, on ne tire jamais d'acier à l'intérieur de ça. On peut le garder pour le petit gibier, pour les gens qui se chassent au dos, qui veulent vraiment un gros ping serré, mettons, pour prendre seulement la taille. Oui. Mais au niveau de l'acier, on ne tire jamais d'acier dans un full. On va se comprendre rapidement, là, du plomb, ça pardonne. Ça a une certaine expansion, c'est malléable du plomb. Là. Alors, on n'a pas fini nos chiffres là-dessus. Moi, je te dirais que ça, c'est un chiffre ici qui en mêle plusieurs. Un once et un 8. Souvent, on va entendre, ah, moi, je tire un once et un 8 de poudre. C'est pas la poudre, c'est le poids des billes qui est à l'intérieur. Et voilà. Plus le poids va être élevé, moins notre vélocité va être haute, donc on a plus pesant à tirer. Ça, c'est un des bons indicatifs que c'est pas la poudre, cette unité de mesure-là. Un once et un 8 de poudre, si on tire ça, je peux te jurer que n'importe qui de nos deux va tomber sur le dos assez rapidement. On n'a pas de carabines de chasse qui sont loadées à ces poudres-là, ou à peu près pas. Ah, on oublie ça. Puis il y a quelques compagnies qui vont indiquer la quantité de poudre dans leur munition au niveau des cartouches, mais souvent, ça va être indiqué en drames okay. et non en grains, comme on est habitué dans la carabine. Donc, si vous voyez drames sur une boîte de munitions, c'est la quantité de poudre. Une munition comme celle-là, on va être à 3 drames et quart, 3 drames et demi. Au niveau du dernier chiffre, et lui, il est très important, car là, on y va en fonction du gibier qu'on voit. Ça, là, c'est le plus grand nombre de questions qu'on reçoit. Martin, je m'en vais à telle ou encore à telle chasse. Je prends quoi? 7,5, 6, 5, 4, de la B, de la BB, de la... Bon, j'aimerais ça, tant qu'à me parler des chiffres, que tu m'associes des catégories d'oiseaux un peu avec. Pas de problème. Écoute, on va y aller rapidement. Petit gibier. Oui. Perdrix, tétra, lièvre, 7,5, 6, 5. Oui. Plus gros que 5, on commence à être fort un peu. Mais à 5, c'est le fun parce que j'ai moins de plomb qui se disperse, mes poitrines. Bien, c'est sûr que s'il y a un impact directement avec la poitrine, il va maganer un petit peu oui. plus, mais on a quand même moins de chance vu qu'il y a moins de billes à l'intérieur de la et gerbe. Voilà. Puis si on est en milieu forestier dense, bien, c'est sûr et certain qu'on se donne une chance là aussi au niveau des déviations de billes. On tombe dans la sauvagine. Moi, je suis un maniaque de chasse à sarcelles. J'aime beaucoup tirer du 6 à sarcelles. Okay. 6, 5, 4 pour les petits canards. Encore là, le 4 va très bien faire pour le mallard, le pilet, tous les autres barboteurs et même plongeurs là, qu'on voit. Dès qu'on va tomber sur des oiseaux plus coriaces, l'oie à la bernache, qui sont des énormes Boeing, oui. là, à ce moment-là, on a besoin vraiment d'une force de frappe, on a besoin de toucher... soit directement dans le vital en ayant touché les organes vitaux, ou encore casser un aile. Un aile d'oie, c'est quand même assez coriace, il y a des gros os là-dedans. Oui. On peut y aller avec du 2, du 1, bébé. Après, passer bébé, oui, la force de frappe est intéressante. Oui, lorsqu'on tire dans le vent, on a un peu moins de déviation, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on a beaucoup moins de billes, par contre. Donc, des fois, à longue distance, notre gerbe ne sera pas égale. Benoît, super intéressant. Sachez que cette chronique-là, là, vous allez pouvoir la reprendre sur le site télé-mag.tv. Je pense qu'en début de saison, c'est bon de se rafraîchir avec des choses comme ça. Un gros merci à toi. Plaisir. Regarde avec moi. De toute façon, on se rejoint un petit peu. Nous autres, on s'en va à la pause. Vous voulez être là après la pause? Parce qu'on s'en va dans le Nord. Chasse aux caribous, soyez là. Ce reportage vous est présenté par Aventure Chasse et Pêche, le vrai magazine. En préparation pour le décollage, je devais être confortablement assis.
Le dossier de votre siège doit être adressé, la couleur baissée et votre tablette rangée. Votre ceinture doit être bouclée et vos bagages rangés. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons un très bon vol. Cette semaine, Loisirs Chasse-à-Pêche, je vous fais vivre un méchant trip. Je suis présentement à l'hydrobase de R-Saguenay, celle du lac Pau. On est juste au nord de Kaniapisco, le réservoir Kaniapisco. Dans un premier temps, je peux vous dire que je subis un méchant choc thermique. Il fait vraiment pas chaud. Je vous explique le trip. On part ce matin très, très tôt de Montréal, de Mirabel, en fait. 2h30 d'avion nous amène ici. Là, on attend après les Otters qu'il y a derrière moi qui vont nous reprendre et nous faire faire 2 heures d'avion pour nous amener au Leaf River Lodge. Là, on va vivre ce qui pourrait être la toute dernière saison de chasse au caribou. Présentement, on est cloué au sol. Il y a un plafond qui semble vouloir se dissiper. Tout le monde a très hâte, d'autant plus que l'autre partie du groupe de chasse est partie de Québec hier en hélicoptère. Eux sont passés voir des amis un petit peu plus haut à la baie James et ils viennent nous rejoindre au Leaf River Lodge. Ils doivent déjà être là et attendre après nous, donc on a hâte. On attend que le plafond se claire. On part. Je vous amène avec moi sur un méchant trip. Messieurs, dames, à l'extérieur, s'il vous plaît. Allez, on décolle. Les nuages sont clairs un peu. On est parti. Leaf River Lodge, on s'en vient. Les nuages se sont dissipés, on a pu atteindre notre destination finale, le Leaf River Lodge. On est un peu à l'ouest de Coudjouac présentement. Je vous parlais du reste du groupe de chasseurs qui venaient nous rejoindre en hélicoptère. Ben les voici, Hugues Vaillancourt de Fierce. Comment ça va, toi? Très bien, Martin. Je suis super content de t'avoir avec nous autres. Pierre Lefebvre de Long Range Hunter. C'est ça, ma friend. Mon ami. Bien content d'être là avec toi. En forme. Vincent EPL de Chrono Aviation. Les gars, ça va comme vous voulez? Yes, sir. Yes. Content d'être rendu? Super content. Moi, je pense qu'on va passer une très belle semaine ensemble. On va essayer de chasser toute la gang ensemble, de s'échanger les places pour se faire un bon trip. Yep. Les gars, ça fait quand même quelques années que vous venez ici. Vous connaissez déjà l'endroit. Moi, c'est ma première fois. Je vais vous utiliser un petit peu comme guide puis comme mentor tout le long de mon séjour. Question que vous me coachiez un petit peu sur quoi faire et ne pas faire, malgré qu'on ait des guides. Avoir des bons chums qui connaissent la place, ça donne un coup de main. Dans l'immédiat, vous autres, vous avez déjà ajusté vos carabines. Absolument. Génial. Okay. Les gars, ça vous tente-tu de les tirer? Oui. Absolument. On est prêts. Évidemment, une des étapes importantes avant de partir à la chasse, c'est de vérifier son arme, peu importe la distance à laquelle on va tirer. Donc, la même chose ici au Leaf River Lodge. On s'installe, on fait des tests sur les cibles pour être sûr que dans le transport, mon télescope n'a pas été affecté dans sa précision. Et après ça, je vais faire un tir qui va être efficace dans le respect de la bête. On s'installe et on essaye ça. Thank you.
C'est ça que ça donne. Premier grouping, les gars m'ont proposé de faire deux clics vers le haut en correction, deux clics up. Deuxième tir, ça a donné ça. Petite erreur de tireur probablement, là, parce que tu vois, c'était comme mon gauche-droite était bon, on a élevé. Vous êtes à l'aise avec ça, vous autres? Très à l'aise avec ça. Ouais. Yes, on va faire ça. Une première journée de chasse au caribou, c'est là que ça se passe. Un matin, on s'en va voir notre guide, ça a l'air qu'on fait un bout en bateau sur la rivière. Va être pas mal trippant. Steve, comment ça va, mister? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. C'est toi notre guide pour la semaine? Toute la semaine, c'est moi-même. Aujourd'hui, on va faire à peu près 1 heure de bateau. On va se situer, on a des belles grosses montagnes, on va monter en haut, puis on va vraiment visualiser toute la place au complet. Hey, ça, c'est génial. On part à l'aventure un matin sur la rivière aux feuilles. Allez, c'est parti, on embarque. La rivière aux feuilles est un magnifique territoire de chasse, mais c'est surtout immense ici, tellement que ce sera pas simple de trouver un moyen de s'y déplacer efficacement. Puisque le chasseur, pour prospecter et chasser son caribou ici, va devoir couvrir énormément de distance par jour. Assez que par voie terrestre, c'est presque impensable. La façon de s'y déplacer est simple, il y en a une qui est efficace. Transperçant le territoire de la baie d'Ungava à la baie d'Ossun sur quelques 500 km, la rivière aux feuilles est en plein centre du territoire. Donc, on accède au territoire en naviguant. On embarque dans les bateaux, on fait notre repérage et on va faire nos chasses. Maintenant, c'est pas n'importe qui peut naviguer cette rivière-là, parce que même partant d'où, il y a énormément de roches et ce serait dangereux de s'y aventurer sans la connaître. On le fait donc avec nos guides, on est sécuritaire, on est efficace dans nos déplacements et surtout, on passe du bon temps. Tu nous as trouvé un beau secteur de chasse. On va venir prospecter dans ce coin-ci. Yes, Martin, on va monter au-dessus des belles grosses montagnes qu'on a en arrière. La semaine passée, c'était super. Fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on va en voir. On va être quand même assez élevé, fait qu'on va pouvoir observer loin. Très, très loin, oui. C'est une des plus hautes en ce moment ici en arrière, dans ce secteur ici. Hey, je commence à peine à croire qu'on est ici. Moi, j'ai hâte. On part à l'aventure dans le nord. Moi, je te suis. Parfait. Hier, il faisait froid, on avait 3 manteaux sur le dos pour on grelottait encore. Là, on marche. Je peux vous dire une affaire, c'est que moi, rendu sur le top de cette montagne-là, j'enlève mes culottes, les sous-vêtements thermales prennent le bord parce que... We saw another one on the same hill, more near to you, but... Yep. Okay, we just killed one bull. Cool, man, congrats! Très encourageant. On vient de recevoir un call. Les gars viennent de tuer un boule pas loin ici. Oui, pas très très loin. Dans la zone 2 en haut. On est dans la zone 3 ici. OK. OK, écoute, on a quand même Hugues. Hugues puis Pierre sont juste au bord de la rivière ici en face de nous autres. D'autres, on est sur ce pan-ci. Ils en ont vu un dans la colline en montant. Oui. Tout près d'ici. Puis là, eux autres, ils viennent de tuer juste l'autre côté là-bas. Juste de l'autre côté. Ça veut dire que c'est en mouvement. Hey, chum. Yes. On va pas avoir de quoi. Oui. Yes. On continue.
Là, on a atteint le plus haut plateau dans ce secteur ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on en profite pour faire une bonne prospection. On commence sur le bout du buton. On va faire des stations, on va s'arrêter en s'éloignant parce que d'ici, on voit toutes les coulées, on voit les tops des autres montagnes. C'est un petit peu comme ça qu'on s'y prend aussi, question de voir vers où se diriger, parce que la marche est longue en tabarouette ici. Ça se marche quand même assez bien, mais on peut marcher longtemps avant de trouver quelque chose. Donc, dès qu'on a un buton élevé, on s'arrête, on fait de l'observation, question de sauver des pas et d'être efficace. Elle descend en bas en tabarouette, hein? Ah oui, elle est partie. C'est impressionnant à quel point elle sauve pas. Elle n'est pas énervée, elle n'a pas eu peur d'une autre. Elle fait juste continuer son chemin. Nous regardez, puis... Oui, puis elle fait juste continuer le chemin. C'est tout. Nice. On ne comprend pas ce qu'on se dit, qu'il n'y a pas de pression de chasse, hein? Non. Ils ne connaissent pas l'humain, hein? Elle est apparue juste comme ça. Bouger dans ce monde en bas. Moi, j'essaie de le trouver. T'es sur le lac de gauche ou le lac de droite, Steve? À droite, Martin. Ah oui, c'est beau. Je le vois bien comme il faut. Pas assez pour voir s'il y a un panache, par exemple. Il va falloir le laisser monter, hein? Oui, on va le laisser s'en venir. Et ça s'en vient. Ça s'en vient sur un moyen temps, sérieusement. Ils sont pressés pour moi, hein? Oui, il y a quelque chose qui est pressé parce que ça court. Regarde, okay, on va attendre. On va attendre qu'ils sortent de la page de bois. Oui. Où est-ce qu'il va ressortir? Encore, juste en avant. Juste là, Martin. Oui. Ah, tabarouette! C'est un petit bloc ou c'est une femelle, d'après toi, ça? C'est une jeune femelle. Une jeune femelle, hein? Oui, une belle jeune femelle. Quand même, un beau panache. Elle s'en vient, ça. Ah, ouais, je pense qu'on n'a plus besoin des jumelles. Ah, oui, c'est pas farouche. Pantoute. Elle veut nous sentir, c'est pour ça. Hey, c'est curieux, c'est hallucinant. Voyons donc, c'est le fun, ça. Hey, coudonc. Non, on prend pas ça. Assurément, on prend pas ça, mais on va prendre le temps d'observer, c'est clair. Oui. Hey, c'est génial. C'est un bel animal en tabarouette. Très belle première journée de chasse. Constat ici, des journées où est-ce que ça peut très bien aller, des journées où est-ce qu'il y a moins d'activité. Oui, le caribou, c'est une migration. Fait que par rapport aux zones, ces choses-là, des fois, le caribou peut se tenir plus dans une autre zone qu'on était la note aujourd'hui. On en a vu deux. Il a fait très, très chaud, mais aucune journée ne se ressemble. Demain matin, on peut se lever et en voir un paquet. C'est ça qu'on parle d'une migration. Ça peut se mettre à voyager sur le territoire où est-ce qu'on est, puis on peut être bouche bée. Très bouche bée. Malgré qu'écoute, si tu la santé comme ça, là, d'un beau territoire de même, moi, le nain va le gant. Parfait. Là, c'est le temps d'aller souper. C'est le temps. Merci. Merci.
Jour 2 de notre chasse au caribou au Leaf River Lodge. Ce matin, on prend la décision de partir à la chasse avec Pierre-Luc et Vincent. On consulte un peu le groupe pour voir quel genre de déplacement ont opéré les caribous la veille. Et la meilleure décision semble être de marcher vers le nord pour augmenter nos chances de voir des caribous. Dans le déplacement, on se rend compte rapidement qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. C'est presque désespérant. Jusqu'au moment où est-ce que Pierre-Luc détecte un petit groupe de caribous juste à sa gauche. Ça peut être notre chance de monter sur un groupe et de procéder à une collecte de caribous. Alors, on monte tranquillement, mais rapidement. Le caribou s'aperçoit qu'on est en déplacement vers lui et l'activité commence. Ça commence à courir beaucoup d'un côté et de l'autre. Mais les gars le savent, on n'en a pas vu la veille, on n'en a pas vu beaucoup aujourd'hui. Il faut s'approcher le plus près possible de ce groupe de caribous-là. Non, je les vois plus. Les voyez-vous encore? Ils passaient juste derrière le ridge, ouais. En avant de toi, Martin. Oui, oui, oui. On va peut-être sortir à gauche. Malheureusement, on les voit plus, là. Il y a un beau petit troupeau avec quand même deux beaux mâles, hein, les gars? Il y a deux beaux mâles là-dedans? Oui, minimum. Ouais. Allez, ils viennent juste de passer en arrière, mais ils ont de l'air à nous avoir vus, puis ça bouge pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ça serait dur de tenter une approche par la droite avec le vent, avoir le vent dans le dos. Right. Faudrait peut-être partir par la gauche. On a une bonne petite marche par la gauche, mais ça se fait bien. On va les intercepter de l'autre côté du lac. Par contre, là, si on y va toute la gang, on risque de les pousser. Absolument. Je pense que l'idéal, ce serait que Martin, tu y ailles avec Nicolas. Yes, yes. Nick, tu serais prêt? Nous, on va rester ici. Parfait. 520 verges. Ça commence à de la distance. C'est bon. Je vais me rapprocher un peu pour avoir de l'image. Parfait. On va partir vers la gauche. C'est bon, gars. Fait qu'on va essayer de vous crier de là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez entendre les impacts de toute façon, les coups. Excellent. Nice. Bonne chasse. Yes. Yes. Alors, moi et Nicolas, on engendre un déplacement vers la gauche pour contourner, pour aller rattraper le troupeau de caribous. Avec le petit peu d'expérience qu'on a, nous deux, au caribou, on se fait rapidement détecter. Et là, le caribou commence à bouger, mais bouger rapidement. À ce moment-là, le doute s'installe dans nos têtes. On sait très bien qu'on peut perdre ce troupeau-là, dans le temps de le dire. Et c'est le premier troupeau qu'on voit. Donc, on s'applique énormément. Et tout d'un coup, de manière inespérée, et ça, on ne sait pas encore pourquoi, le caribou décide de revirer vers nous autres. Tout le groupe s'en vient et nous fait face. Et tranquillement, ça se stabilise. C'est le moment ou jamais de prendre position et d'effectuer un tir. Tabarouette! Il faut que je me trouve une place pour m'accoter pour être stable. Ça a l'air d'être loin pas mal. On prend une roche qu'il y a là. Petit truc sur les Eberle Stock. Ramassez-vous les appuyantes comme ça. Pour du longue distance, ça en vaut la peine en tabarouette. Oh oui, merci Raphaël. Bouge pas. OK. Et tabarouette, on l'a le MG. Heureusement, rapidement, pas de calcul. J'ai mon petit tape balistique que j'ai fait faire avec la charte que Mario Fortier m'a faite. Ça me permet d'y aller bien vite, ça bouge. On a 100 verges de moins. OK, ça a l'air à vouloir se stabiliser. J'ai un bon mirage, par exemple. Je vois flou. Great, je le prends. Yes! Ça n'a pas été long, il est tombé de là, là. Oh, il est beau, il y a un beau panache dessus. Hey, c'est mon premier caribou à vie, j'ai les jambes qui shake, ça n'a pas de bon sens, un enfant d'un plat de bonbons. Je vous jure, j'ai de la misère à tenir mes jambes douettes. Ah, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça, il est tellement beau. Oh, great, 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 great. On va voir notre animal à cette heure. Quand on marche pour aller chercher qu'on se rend compte que la shot était pas pire, on était dans le coin de 340-360 verges, ce qui est quand même un bon petit bout. Mais j'ai plus de misère à marcher parce que j'ai les jambes qui shake que d'autres choses. Hey, ça valait la marche. Ouf! Au fedail! Oh, que c'est beau, cette histoire-là! Écoute, c'est la première occasion que j'ai de chasser au caribou. C'est probablement la dernière saison aussi. Et puis, je vais prendre juste deux secondes pour dire un gros, énorme merci à la gang d'Aventure Chasse et Pêche qui ont permis cette chasse-là, qui ont permis que ce soit possible. J'en suis excessivement reconnaissant. Regardez-moi cette bête-là. C'est monumental. Regardez le panache, là. Waouh! Il est super beau. Ouh! Martin est aux anges, pas à peu près. On a fait un tir quand même bien, sur une bonne distance. J'utilise ma nouvelle Fierce Fury en 300 Winchester Magnum.
J'ai un T5 ici, mais celui-là est en 5.25-56. Et une chose très particulière, c'est que Mario Fortier m'a fait ma charte balistique. On a pu mettre un petit tape balistique dessus qui me permet un ajustement très rapide. Si c'est 400 mètres, par exemple, je m'en vais directement sur 400 mètres. Et en termes d'élévation, c'est corrigé. Ça permet de faire une shot qui est propre et très rapide comme ça. L'animal est tombé, boum, sur place, c'est terminé. Hey, merci, mon beau. Tabarouette. Regardez ça une dernière fois. Aïe, aïe. Yes! J'ai mon caribou. C'est pas la plus grande des ramures, mais je suis super content. C'est le premier caribou que je peux collecter. Je suis comme un enfant dans un plat de jujube. En plus, la scène était parfaite pour moi. J'ai un bon ami que vous voyez pas souvent à l'écran, qui est derrière la caméra, Nicolas Thivierge, qui est aussi un chasseur. Quand on est arrivé sur le petit groupe de caribous, Nicolas étant le plus proche, j'ai été capable de lui tendre ma carabine pour qu'il puisse se stabiliser et effectuer son tir. Il fait un tir et le caribou tombe juste derrière une roche très rapidement en une balle, tir super propre, très efficace. Je prends la place de Nicolas. Nicolas reprend sa caméra, question de pouvoir me filmer. J'attends que mon caribou se place. Mon caribou, mal placé, mais j'ai une shot pour être capable de passer par le dessus pour aller atteindre le haut des poumons, donc un petit peu sur le dessus du dos. Et rapidement, je m'aperçois que la shot est celle que je voulais. Le tir est juste, le caribou tombe sur place. Donc les deux, on tire un en arrière de l'autre, deux bons amis à la chasse et on a deux belles shots très, très propres. Mais là, on a deux autres amis avec nous autres qui, eux autres aussi, espèrent collecter leur bête. Et ils savent très bien qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, donc on doit se remettre en mouvement pour trouver du caribou. Rapidement, on recommence à voir du caribou, mais le caribou est excessivement actif, ça bouge vite et le caribou est loin. Les seuls endroits où est-ce qu'on avait des chances d'effectuer un tir sur un caribou, les distances étaient trop grandes et on se gardait une certaine réserve. Question de respecter les animaux, on n'a pas essayé ces tirs-là, évidemment, parce qu'il y avait trop de facteurs, le vent, etc., qui auraient pu influencer. Donc, ça bouge, c'est loin, on attend de pouvoir se rapprocher et de laisser le caribou se stabiliser. Et tout d'un coup, apparaît le panache, le patriarche de la gang. Là, la nervosité s'empare de nous sur le champ. Les jambes de tout le monde shake, la patate nous pond comme ça. Moi et Nicolas, c'est les premiers caribous de cette envergure-là qu'on voit. Donc, il y a un certain énervement, surtout que les deux gros caribous du groupe viennent se placer à flanc de montagne, côte à côte. Dans l'espace d'une fraction de seconde, tout le monde se retrouve à pleine face à se positionner pour un tir pour les deux gars. Nicolas tente de se positionner pour filmer. Là, à ce moment-là, on ne sait pas lequel des deux tire lequel des caribous. On est presque sûr, on entend bang, on voit pas le caribou tomber. Moi et Nicolas, on regardait le caribou de gauche, alors que Vincent venait d'abattre le monstre qu'il y avait à droite et est tombé directement sur place. Ensuite de ça, Pierre-Luc prend son tir sur le caribou de gauche, celui qu'on regardait, qu'on croyait que Vincent allait prendre. Somme toute, les deux gars font une très belle shot côte à côte, deux chums ensemble qui récoltent deux maudits beaux caribous. Yeah! Yeah, yeah. Ça, c'est du caribou, mon chum? Oui, monsieur. Yes, sir. Hey. Malade. Un doublé. Une shot à 400 verges, là. Yes. Hey, regarde ça. Yes, mon monsieur. Pierre-Luc, c'est bon en tabarouette, ça. Incroyable, mon chum. Hey, oui, monsieur. Wow. As-tu vu les pelles qui après ça? Oui, monsieur. Très beau. Un beau mâle mature. Très beau, très beau, très beau. Ah oui. Hey, ça tombe bien, il y a deux chums qui tirent sur le bord d'une colline. Oui, un après en même temps. On l'avait voulu, ce shot-là, on en parlait. Moi, Pierre-Luc, celle-là, tu le voulais pour dégager ton entrée chez vous l'hiver. Hein? Oui, mais il y a un bris dessus, là. Pour moi, il s'est battu un peu. Ah, ça se peut que ce soit chicané un petit peu. Oui, ou peut-être. On va réparer ça. Ouais. Petit coup de papier sablé. Ah non, ça, c'est un très beau mâle mature. Ah oui, pour les pelles, les mains en avant, c'est le plus gros que j'ai vu là, dans nos chasses. Ben, on a pas vu un autre plus gros. L'autre bord de la butte, là, juste. Ah, ben ici. Ah, ouais, mais là. L'autre, c'est le record du monde. On va le voir tantôt, là, mais ouais, ouais, il y a quelque chose. Ouais, monsieur. Ouais, ça, là. Hey, ça fait du bien. Deux mâles super matures ensemble. Probablement pour notre dernière chasse, pour un bout, hein, on se le dit. Ouais, mais ouais, c'est. Je pense que c'est fini, le caribou après super, ça. C'est super. Hey, ouais. Félicitations. Yes, sir! On s'en va voir ça dans Vincent, l'autre bord de la butte. Et vous, on s'en va voir l'autre. C'est malade. Hey, regardez-moi ça. Vincent vient de faire une récolte de malade. Hey, man, c'est terrible. Ça n'a pas de bon sens. Les gars, c'est beau. Le feeling, incroyable. Incroyable. Encore le cœur qui me pète dans la poitrine. C'est capoté. J'ai jamais vu un caribou gros de main. Non, hein? Non. C'est vrai, puis vous autres, là, ça fait quand même un petit bout de temps que vous chassez le caribou, tous les deux. Là. Ouais, on en voit pas, on en laisse passer parce qu'on est capricieux, mais des fois, ça vaut à peine. Hey, ça, c'est une fois dans une vie, puis là,
topo, on est tous les trois écrasés sur une roche en train de faire de l'observation. On sait qu'il y a un groupe de caribous. Ça commence à lever. Et il y en a un gros! Et il y en a encore un plus gros! Et là, ça apparaît. La roche a comme vibré. Ça a fait... Ouais. Ça nous le prend. Mon cœur aussi a vibré. Mes mains vibraient aussi. Ah oui, ça là. Alors, et là, Vincent a placé la shot magique pour que ça reste là. Et voilà. Hey, félicitations, c'est une fois dans une vie cette histoire-là. Merci. Yes. Merci, Martin. Yes, merci, Pierre. Je réalise à quel point c'est un immense privilège que de pouvoir côtoyer ce grand cervidé-là dans nos grandes étendues du nord de la province. Ici, tout est beau, tout est splendide, mais il y a deux termes qui décrivent encore mieux l'endroit ici pour moi. C'est pur et vierge. Et je m'explique. Ici, à toutes les fois que je marche dans la toundra, j'ai carrément l'impression d'être le premier être humain à marcher à cet endroit-là. L'eau des lacs et des rivières est pure et cristalline. Je peux boire carrément l'eau de la rivière et des lacs. Et ça me sort complètement de mon quotidien. Ce que vous venez de voir aujourd'hui, c'est la première partie de deux reportages sur notre chasse au caribou. Où est-ce que vous voyez ma chasse, celle de Vincent et celle de Pierre-Luc. Dans une deuxième partie, on vous présentera la chasse de deux autres bons amis qui sont Hugues et Pierre Lefebvre, le Long Range Hunter et Hugues Bayancourt de Pierce, qui vont faire leur récolte de caribou, on l'espère. En attendant, il y a une autre chose qui est magnifique dans le Nord ici, et on vous l'offre. On se quitte en fait sur de magnifiques images d'aurore boréale. Ce reportage vous a été présenté par Aventure Chasse et Pêche, le vrai magazine. Vous aurez compris qu'on revient de là avec des souvenirs qui sont indélébiles. C'est peut-être la dernière occasion qu'on avait à chasser le caribou, que ce soit le caribou d'automne ou encore le caribou d'hiver. On verra les suites de ce que notre gouvernement va prendre comme décision là-dessus. Maintenant, on a reçu notre venaison depuis ce temps-là. C'est revenu de chez le Bouchain. Évidemment, ce reportage-là a été fait au mois d'août, début septembre, fin août, je ne me trompe pas. Là, on a reçu notre viande. On essaie toujours de se réinventer un peu en cuisine avec notre gibier. Qu'est-ce qu'on va faire cette année de nouveau? Puis on veut de plus en plus cuisiner à la maison. Ça tombe à point, hein? Parce que mon aventure chasse et pêche me donne un article qui est savoureux, on va le dire comme ça. Régent Lemay, professeur de boucherie, qui nous donne pas une, pas deux, pas trois, 10 recettes de saucisses que vous pouvez faire à la maison, avec la technique comment les faire. Ça, je vais vous dire, ça m'intéresse énormément parce que c'est une expérience qu'on n'a jamais faite en famille, ensemble, faire la saucisse à partir de notre viande de gibier. Ces recettes sont principalement à partir de chevreuil et d'orignal, mais là, regardez bien, là. La bacon cheddar, la nordique avec des bleuets dedans. La québécoise, moi, la québécoise, elle me tente pas mal, moi, avec du bacon, de lait, du sirop d'érable et de la bière blonde. Ça peut être très, très, très intéressante. Malgré que le choix est difficile, on fait 2-3 batchs. Les quantités sont très bien proportionnées. Hein, on se ramasse avec beaucoup plus en termes de pourcentage de viande de gibier dans notre saucisse lorsqu'on la fait à la maison comme ça que lorsqu'on la demande à notre boucher. Hein, c'est nous qui décidons. Et là, les proportions sont très bien faites pour avoir le bon goût au niveau des ingrédients, des quantités de matière grasse, et etc. C'est un professeur de boucherie qui a fait ces saucisses-là, donc c'est un succès assuré si vous les suivez à la lettre. C'est un petit livre de recettes que vous voulez conserver. Pensez-y, là, pas une, pas deux, pas trois, 10 recettes de saucisses. C'est dans votre aventure chasse et pêche qui est en kiosque présentement. Ces conseils vous ont été présentés par Aventure Chasse et Pêche, le vrai magazine. Stéphane Monette, comment ça va, toi? Ça va très bien, Martin, toi-même? Ça va super bien. Hey, ouais. Ce soir, j'ai décidé d'exploiter la deuxième partie de ta personnalité, parce qu'on on sait tous que tu as une personnalité multiple, à la fois chasseur et cuisinier. Absolument. Là, c'est Chef Steph qu'on a avec nous autres en studio. À soir, oui. Et Chef Steph, là, il arrive avec un maudit beau cadeau. Surtout que le temps des fêtes, il n'est pas si loin que ça, là. Écoute, c'était timé, là, c'était préparé pour ça, mais oui, effectivement...
on arrive avec le tome 2 de Le gibier en toute simplicité. Moi, je connaissais le tome 1 pour m'en être servi énormément, qui était le fun parce que c'est un peu le tome 1, tu me disais, tes coups de cœur, ce que vous faites à la maison. Bien, ce qu'on mange à la maison régulièrement, c'est ce que les chasseurs... Puis tu sais, quand on rencontre les chasseurs, c'est ce qu'on se fait tout le temps demander. Toi, tu manges ça comment? Ils sont allés manger juste du steak ou un rôti? Ou... Fait que le gibier en toute simplicité 1, c'était vraiment les recettes de la maison, de la famille qu'on mange, parce que la viande sauvage, on a que ça à la maison. Oui. Fait que c'était ça. Puis, avec le succès du tome 1... Bien, il faut dire, ça a été best-seller, ça, je pense, deux fois, exactement. Donc, puis là, on a écouté les chasseurs. Tout le monde nous demandait, allez-vous en faire un deuxième? Oui. Fait que là, on a écouté ce que les chasseurs voulaient. On a adapté nos recettes de maison. Puis là, on est arrivé avec le tome 2. Tabarouette, OK, non, c'est... Mais là, on parle de... On est allé ailleurs un peu? Oui, bien, ce que je voulais, c'était... Tu sais, le 1, c'est vraiment les recettes de semaine. Oui. Le 2, c'est les recettes de fin de semaine. Oh, quand oui. on veut prendre le temps, se faire une bonne bouffe avec les récoltes qu'on a faites. Hey. On n'est pas obligé, que ce soit du gibier aussi qu'on a récolté. Tu sais, à cette heure, on peut en acheter en magasin. Fait que ça s'apprête à toutes les sauces. Oh, c'est vraiment là, bon. Là, on parle vraiment de calibre là, ici. Là. Mais de calibre, je dirais... Simple. Accessible à tous au niveau de la confection des mets. C'est trippant parce que je peux revisiter, tu sais, il y a des nouveaux chasseurs. Il y a des chasseurs qui, depuis longtemps, ils font toujours la même chose avec leur viande. Exactement. Là, on peut revisiter la façon d'utiliser nos viandes de gibier. Absolument. Optimiser leur utilisation, c'est-à-dire qu'on récupère tout. Exact. On fait quoi? Hey, c'est sauté, là. C'est vraiment sauté. C'est le fun. Chevreuil sucré-salé. Oui. On joue avec les modes, on a travaillé dedans. Puis, tu sais, sans le savoir, c'est des recettes qu'on fait à la maison. Parce que, tu sais, le samedi soir, si j'étais avec ma gang, on décide de faire de quoi, bien, Pat va se lancer un peu plus. Fait que c'est souvent des recettes comme ça qui sortent. Puis là, bien, quand ils sortaient, là, ma Caroline, elle disait, ben oui, on les marque tout de suite. Parce que là, c'est vraiment bon, parce que souvent, il y a des recettes que je fais, puis je les oublie. Fait que, tu sais, en revenant, bien là, on les prenait en note, puis là, on les a sortis. Ce qui est bien le fun, c'est qu'on a touché au gibier à plume un peu plus. Fait qu'on a touché au canard, à l'outarde, on a touché au gibier d'eau. Gélinotte. La gélinotte. Moi, le premier, il faut que je te dise, c'est parce que t'as un agent qui travaille en arrière de ça, qui nous fait parvenir ces livres-là. J'ai eu la chance de l'avoir avant tout. Et puis, on revient, moi et Nicolas, de la chasse à la gélinotte. Puis, toutes les poitrines de gélinotte sont présentement sous vide. Mm-hmm. Dans le congélateur, avec la marinade, il y a du ketchup dedans. J'ai trouvé ça génial parce que c'est une des choses, justement, la gélinotte, que moi, j'étais rendu un peu à me poser la question, mais là, on l'a fait en poulet au beurre, on l'a fait en n'importe quoi. Qu'est-ce que je sais avec ma gélinotte? On l'a farci, on l'a écouté à toi et ça. Ouais. Là, je fais comme, ben voyons. Puis tu vois, la recette que tu parles là, ce qu'il y a de le fun, c'est que c'est rapide. Oui. Tu sais, on travaille la semaine, on le sort, c'est gelé, on le met dans l'eau, on prend le temps de le faire cuire. C'est tout expliqué dans le livre. Puis tout de suite, on a un repas de fête, c'est réglé. Fait que, tu sais, c'est adapté aux familles, mais un petit peu plus poussé. L'ours, écoute, on a essayé de ramener plus de recettes, comme je te dis, samedi soir, mais tout un temps vraiment, vraiment ça. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que. Mini brochette au poivre. Je m'excuse, hein? Ah, mais... Écoute, génial. Segmenté aussi d'une façon où est-ce qu'on est habitué de voir les livres de recettes segmentées, c'est-à-dire que tu as vraiment les petits plats, les entrées, les plats de résistance. On a fait des tapas, on a joué là-dedans. Oui. J'ai vu du tartare aussi. Absolument, on joue avec les tartares. Donc, c'est une chose qui, souvent, je suis un petit peu plus insécure de les faire avec la viande de bois. Là, j'ai la bonne façon le faire, la on bonne façon de comment, l'amener. Comment vérifier? On a donné beaucoup, beaucoup d'informations dans ce deuxième livre-là. Je pense que c'est surtout à cause des questions que les chasseurs nous posaient. Bien, c'est sûr, souvent, c'est les femmes des chasseurs avec qui est-ce qu'on travaillait aussi. Mais on a suivi, tu sais, on a parlé... T'as même la manière de faire la saucisse. La saucisse, comment est-ce qu'on fait nos saucisses à la maison. Nous autres, c'est un incontournable, tu sais. Fait que là, tu vois, on arrive... Souvent, là, sur Facebook, en train de faire ta saucisse. Absolument, hein. Fait que ben là, on explique, tu sais, juste les petits trucs pour que ça aille bien, avec des outils bien, bien simples. Ça prend pas des affaires, là. Ça prend pas des affaires hyper électriques, tout le kit. C'est tout le temps bien, bien, bien simple, puis... On travaille avec ça. Ben, t'as même les sauces avant, puis les confits, puis les... Non, absolument. OK, on est vraiment complet. Ouais. Ben... Avec ça, je peux vraiment faire un service complet à table. Ouais. Donc, très, très intéressant. Puis, tu sais, de ma formation, je suis saucier. Fait que c'est important que la première partie du livre, qu'on explique bien les roues, comment les faire, comment faire un bon fond. Après ça, comment faire une bonne demi-glace. Puis une fois que ta demi-glace est faite, là, t'es capable de partir, puis là, de faire n'importe quel plat, puis d'agrémenter ça avec une demi-glace, puis c'est parti. Fait que, tu sais, c'est vraiment un livre le fun. Pour si tu veux papoter les soirs d'automne, ben je pense que le tome 2 va répondre à cette demande-là. Super bel ouvrage. Stéphane, il nous reste 30 secondes. Je trouve ça où présentement?
Partout. OK. Écoute, il n'y a pas grand place. Tout dans les grands centres, on est là. Dans les magasins de chasse et pêche aussi. Sale, Canadian Tire. On est partout. Ce qu'il y a de différent dans quand on travaille avec un éditeur, c'est que lui va aller le porter partout. Nous autres, on s'occupe des magasins de chasse et pêche, mais eux autres le mettent... Vous allez le trouver, vous n'aurez pas de misère. Le temps des fêtes s'en vient, vous voulez épater vos chums à la chasse, juste vous renouveler à la maison. Un cadeau. Faire découvrir du gibier à des gens qui, mm-hmm. qui généralement, exactement. Sont comme réfractaires un peu, c'est la bonne recette, c'est le cas de absolument, dire. Absolument. Ça s'appelle le gibier en toute simplicité, tome 2. Exact. On va souhaiter aussi des belles étoiles de top seller là-dessus. Ben, quand on va voir, bon, pour le premier. Je vais vous tenir au courant. Ça va, le monnette? Merci, hey, gros, merci. Je te regarde, moi, on va regarder ce qu'on fait à soi, nous autres, ouais, à la maison. À la chasse. Je regarde avec moi, on revient tout de suite à l'autre bord de la pause. Soyez là. De retour en studio, je suis content de vous parler d'une compagnie que je respecte beaucoup. Je les avais jamais essayés à ce point-là sur le terrain. Cette année, je me suis donné comme mission de les mettre à l'épreuve. Vortex, compagnie qui mérite sa réputation parce qu'on respecte réellement le chasseur dans le service à la clientèle qu'on donne et dans la garantie. Et l'autre endroit où est-ce qu'on respecte beaucoup la clientèle, de ce que moi j'ai pu constater sur le terrain, c'est que mon investissement par dollar sur chacun de ces systèmes-là est très bien investi. Donc, rapport qualité-prix, c'est irréprochable, carrément. Je commence avec les télescopes, c'est ce qu'on parle le plus souvent en tant que chasseur. Diamondback 4-12-40, donc 4-12 en grossissement, 40 en termes d'ouverture, 1 pouce au niveau du tube. C'est un télescope qu'on pourra appeler d'entrée de gamme, mais attention, un télescope d'entrée de gamme qui, pour le prix, pousse dans le cours des moyennes gammes un petit peu. Là. Donc, clarté qui est très intéressante. Très bonne résistance au test d'ajustement, de conservation d'ajustement dans le recul, là où est-ce que certains hauts de gamme y perdent. Je m'explique un peu, certains vont me comprendre. On arrive avec un calibre très fort comme du gros magnum, du ultramag, du lapro, des trucs comme ça. Et juste avec le recul de la carabine, on va provoquer un désajustement, souvent par les montures qui sont mal faites ou encore par le télescope qui est moins bien conçu. Ici, on résiste au recul, même des plus gros calibres. On demeure ajusté pour un télescope de ce prix-là. C'est étonnant. Partie mécanique très, très, très bien conçue. Ça résiste aux intempéries. On n'a pas eu de problème de ce côté-là. Ajustement très rapide. C'est fortement recommandé. Et c'est le format de télescope, un 4-12-40, qui est intéressant de manière générale sur une arme de chasse qui fait un petit peu toutes les chasses. Donc, très, très bien. Je m'en vais du côté du télémètre. Que j'ai aussi grandement apprécié. Télémètre Ranger 1500. Bon, moi, il y a deux points qui me fatiguent sur un télémètre, deux principaux points. Le premier étant de chercher mes données dans l'écran lorsque je regarde. Ici, on a réglé le problème, c'est éclairé en rouge, donc je vois très, très, très rapidement mes données. Deuxième chose qui m'énerve énormément, c'est la rapidité. Souvent, c'est lent avant que la donnée me revienne. Hein? Je clique et puis j'attends. Là, ici, bon, c'est rétroéclairé rouge, je vois immédiatement et je clique puis j'ai la donnée tout de suite, ça niaise pas. Troisième chose très intéressante, scan continu. Je garde le doigt enfoncé et on scanne continuellement. La rapidité de retour de la donnée, donc de retour de l'infrarouge, me permet cette précision-là. Très bon télémètre, très léger aussi dans le coin du 7-11. Au niveau des jumelles, on se permet un petit peu plus ici. On est allé avec la Viper, on est allé avec le Viper HD dans le 10-42. Très, très bonne jumelle. On n'est pas dans l'entrée de gamme. On est un petit peu plus dans le moyen vers le haut de gamme. Un petit peu plus de sous à investir ici. Par contre, c'est irréprochable. On a une bonne clarté. L'ajustement se fait très, très, très rapidement. J'ai rien à reprocher à ces jumelles-là. Là. La prise en main est géniale, la conception, l'espèce de rubber qu'on utilise, la résistance au choc est très bien. C'est du multicouche au niveau des lentilles aussi, et ça paraît. Ça résiste quand même assez bien à la buée. Au niveau interne, il n'y a pas de buée qui se crée parce que c'est un vide à l'argon, évidemment. Donc, somme toute, l'ensemble des accessoires que moi j'ai testés sur le terrain du côté de Vortex, j'en reviens à ma première conclusion. Le dollar que vous investissez ici est très, très bien investi. Dernière petite chose, et c'est une trouvaille, vous connaissez tous les harnais qu'on utilise souvent pour mettre les jumelles dans notre cou. Les gens de Vortex m'ont envoyé ça ici. J'ai trouvé ça génial parce que c'est une pochette qui me permet, attention, en avant de moi, d'avoir les jumelles à l'arrière, le télémètre à l'avant, et mon GPS sur le dessus ici. Donc, en une pochette, j'ai l'ensemble de mes choses, puis j'ai plein d'autres places, et ça se décroche
Comme ça, j'ai tout à portée de main. Je vous le recommande fortement. Vortex, ça passe le test, puis juste dans le respect des chasseurs qui le mettent sur le marché, ça en vaut la peine d'encourager des compagnies comme celle-là. C'est déjà tout pour l'émission. Vous savez, vous pouvez revisionner cet épisode-là et l'ensemble de la programmation Télémag sur le télé-mag.tv. La semaine prochaine, bien, vous voulez être là. Pourquoi? Parce que c'est la suite de la chasse au caribou dans le Grand Nord. Soyez les nôtres. Benoît Letarte, mon petit peu de l'eau, tu sais, échappé un mot, là. Tant qu'elle l'échappait, tu l'échappes. Benoît Letarte! Là, ils vont dire, il fait par exprès, ça fait deux fois qu'il passe dans les bloopers. Hey, les deux chums en même temps. L'équipe Fierce Long Range Hunter vient de réussir à doubler, pas d'une chaloupe à la pêche, là, au caribou. Hey, les boys! Yes! Yes, sir! Yeah! Yeah. Yes, mon yeah. Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs.